Salut, salut! Aujourd'hui, on va direction Santa Tecla du côté de Achireal pour faire un petit tour à la mer. On va essayer de voir si on arrive à voir 2-3 poissons et surtout de très très beaux paysages. Allez, on y va! Voilà, voilà, bien arrivé à Achireal, Santa Tecla. Comme tu peux voir, c'est tout en rocher, mais c'est super bien par contre pour la plongée sous-marine et tout, enfin pour voir des poissons quoi. Et l'eau elle est pas mal propre, ça fait des grosses criques dans les coulées de lave. Dis-moi pas si c'est pas de la bombe de balle comme disent les jeunes. Non? Qu'est-ce que t'en penses de ce petit paysage magnifique? Hein? Attends, je vais essayer de pas me casser la gueule. C'est pas juste la classe, franchement, c'est putain de beau. Avec le petit bout de château là-haut. Petit sandwich à l'italienne, mortadelle. Et le fromage d'ici. Mmh. Le gamin, on se lâche là. Hein. On peut pas nous rester collé pendant 8 heures comme ça. Hein. Bon, on va sauter là-bas. On va essayer de pas s'éclater. Hein. Bon, allez. Non, j'ai pas une grosse ride en plein milieu du front, c'est simplement le masque de snorkeling. On va tenter ça. Jérôme! Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est pas sympa? C'est hyper sympa, j'adore cet endroit, ça fait... Bah la deuxième fois que je viens, comme tu sais, je te dis, je suis originaire... J'ai des origines italiennes, si c'est plus précisément. Donc voilà, ça fait déjà la deuxième fois que je viens ici. Et voilà, j'avais peur de pas retrouver parce que j'avais trouvé cet endroit par hasard une fois. Et là franchement je suis bien content de l'avoir retrouvé, c'est vraiment très très sympa. Je vais voir si j'arrive à aller jusqu'à la tour là-bas, je suis pas sûr parce qu'en plus je suis en tatane. Tu mets un peu le boulot. Figue des barbaries, elles sont bientôt prêtes. Je pense qu'encore une dizaine de jours, ben, je pense que à certains endroits sont déjà bonnes. Putain, les mecs qui se sont fait chier à l'époque à faire des murs comme ça avec les pierres de lave. Ah, ils avaient vraiment le moral, hein, sans déconner. Même là pour aller faire le machin là-haut. L'éruption qui s'est produite il y a je sais pas combien de temps. Parce que quand tu vois que la tour
dans l'état où elle est, la vieillesse qu'elle a. Et la remontée comme ça des roches, c'est vraiment superbe. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment magnifique. Bon, alors bouge pas, je vais ranger la caméra, puis je vais essayer de monter là-bas. J'avoue, j'en chie un petit peu. J'ai les tatanes qui glissent, je t'explique même pas. J'ai les pieds qui font... J'ai trop peur de me fracasser les pieds. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à là-haut. Je t'ai dit que je le ferais, n'est-ce pas? Hein? Mais moi, je suis pas un mytho. Je le fais vraiment. Tu vois ça? Eh ben, c'est exactement ce que tu avais dit tout à l'heure. Je suis dedans. Voilà. La tour de garde, à l'époque, il devait venir voir arriver les bateaux ennemis depuis là-bas. Et là, il venait fracasser les mecs. Plim, plam, plam. Franchement, même la petite lucarne, t'as quand même une sacrée vue. Je sais pas s'ils avaient des fusils ou quoi à l'époque. Même avec les flèches, ils devaient s'en prendre plein la gueule, les mecs. Oh yeah. Je suis tout en haut. Tout en haut. I can't stay.